Bonjour, bonjour. Hello les amis, c'est votre bon vieux Frit, vous l'avez compris. Yo les amis, je vous arrête la vidéo, c'est le Frit du montage. Je viens de me rendre compte que j'avais un putain de cheveu qui est retombé sur mon fucking front et je m'en suis seulement rendu compte à la toute fin de la vidéo. Alors soyez pas perturbés si jamais vous voyez ce cheveu H24 sur mon front. Il restera là toute la vidéo. Et oui, ça me casse les couilles parce que oui, je l'avais pas remarqué. Bref, je vous laisse continuer la vidéo. Aujourd'hui, je suis très content parce que enfin, je peux vous faire une petite vidéo Yandere Simulator. Alors non, ce n'est pas une mise à jour, même carrément pas parce que au final, là, on va pas du tout parler de nouveautés, mais plutôt l'inverse. On va faire un gros bond dans le temps et on va tout simplement aller voir un ancien Yandere Simulator. Pour ceux qui suivent le blog de Yandere Dev, bah vous êtes certainement au courant, mais Yandere Dev en gros a partagé sur son blog un prototype de Yandere Simulator qui date de 2014. C'est abusé. Très content aujourd'hui de pouvoir découvrir, réagir à cette version là avec vous tous ensemble. Donc j'espère que vous allez kiffer. On perd pas de temps. Je vous balance le jingle Yandere et on découvre tout ça tout de suite. Let's go. Ok, alors je vous préviens, je vais pas en perdre une miette. Nous avons d'abord ça, un écran comme ça, title screen, gameplay sandbox, cool test, guitar case test. Donc je pense en gros que c'est les seuls trucs qui sont disponibles dans cette version là. En appuyant sur 1, 2, 3, 4, tu peux accéder à des trucs différents. This is an early demo, donc ceci est une démo. Les graphismes, les animations sont très anciennes. De toute façon, ça peut se voir, rien qu'en voyant la sorte d'Ayano aux cheveux bleus, t'as tout de suite capté que c'était l'ancien Yandere Simulator. Donc t'as l'ancienne à gauche et plus ou moins la nouvelle à droite. On voit déjà l'évolution entre les deux, rien qu'au niveau du détail du visage. C'est beaucoup plus propre à droite. Les cheveux qui ont changé, la tenue, l'animation, genre avant c'est en mode robot, tu vois. Enfin bref, en mode Playmobil. C'est abusé de voir l'évolution. The final game will have better graphics and animation. Press any key to begin the game. Ok, et bah c'est parti. Là je vais utiliser la manette, ça fait plaisir. Oh là là, 2014. Yandere Dev, mais c'est excellent mec, il fend et effrayant. Je vous le dis, ça me fait un petit peu peur. Ok. Ah là voilà, je préfère cette ambiance là, c'est quand même vachement plus sympa, on va pas se mytho. Par contre mon téléphone commence à faire des recherches, il commence déjà à me casser les couilles, c'est abusé. Elle était bien cette musique, je sais pas si c'est une musique que... What? Ok. Encore plus violent que maintenant j'ai l'impression mec. Mais c'est trop bien ces transitions. J'ai vraiment dû garder des transitions pareilles. En plus il y a plusieurs transitions alors que maintenant il y en a qu'une. Ah ouais mec, elles sont incroyables les transitions. Là ça se joue pas la manette. Ok, ça se joue clavier. Je vais faire new game. Hop, new game. De toute façon je n'ai pas de sauvegarde sur cette version là. Très clairement. Et nous avons peut-être ce qui était l'introduction à l'époque. Demain, je vais commencer ma seconde année à l'école. C'est abusé qu'en 2014, il y avait déjà une sorte d'animation comme ça. On voyait Ayano dans sa chambre et tout, alors qu'il n'y a même pas ça maintenant, tu vois. Je trouve ça assez ouf. Hein. Bon, comment je suis censé faire pour passer... Ok, c'est la barre d'espace. My first, ma première année à l'école. Je pense en gros que sa première année ne s'est pas si bien passée que ça, qu'elle était spéciale et que personne voulait lui parler. Un bail comme ça, en gros, la première année, je pense que c'était pas le top pour Yandere-chan, pour Ayano. Prends pas tout, n'hésitez pas à me faire un petit résumé, les amis. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'elle glisse comme ça? My dream lover look like my first starter they would have to be. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Je profite quand même et je kiffe quand même. C'est juste fou pour un youtubeur ancien comme moi de Yandere Simulator. Bah, ça fait extrêmement plaisir pour accéder à une version que je n'ai jamais testée. Donc, mon idéal, c'est soit un garçon, soit une fille. Bien évidemment, ah mais c'est vrai, on peut choisir, attends, on peut mettre vraiment fille, sérieusement. Attends, on verra bien comment ça va se passer par la suite. Donc voilà, on va garder un senpai classique, voilà, on va pas trop le changer. Imagine the world you like, ah bah non, on n'a pas le choix en fait. Peu importe ce que tu choisis, fille ou garçon, et bah c'est quand même senpai que tu vas te choper. Oh, senpai, il est 6h29 du mat, tu es parfait. J'aimerais passer le restant de ma vie avec toi. Et bah je pense que cela ne va pas être possible ma petite Ayano. I'm done dreaming, je ne peux pas rêver, senpai. Il doit se réveiller là, il est 8h, combien? 8h15, oula, Ayano elle se presse pas hein, pour aller à l'école très clairement. Hein. Là j'ai bien dormi, c'est le meilleur rêve que j'ai pu faire. Par contre elle a pas l'air d'être très heureuse, hein. Clairement vu son visage, on voit bien qu'Ayano est un peu chelou déjà là. I wonder what this time is it? Je vais regarder quelle heure il est. Nani? Crap! L'école commence dans 15 minutes, allez bouge tes grosses fesses. I can see the make know, what is my school uniform look like again? Donc elle va mettre son uniforme scolaire. Dépêche-toi Ayano, t'as pas le temps. Oh sympa, on a une petite panoplie ici de tenues. Ça c'est sympa, j'aime beaucoup, ça c'est sympa aussi. Ça, pff, ouais, ça c'est classique, ça c'est classique. Celle-là j'aime bien aussi,
Dark Seifuku. Mais en vrai, je vous avoue que celle-là, non, celle-là, j'aime bien. Je sais pas, ça donne un petit style et tout. Ça va rendre Ayano. Ah, d'accord, très bien. On a, tous les cas, la tenue classique. Très bien, merci André Dev de me donner des faux espoirs comme ça. Après, on est en 2014, donc ne jugeons pas. Bon, allez, je l'ai trouvé. Ok, y a pas de temps à perdre. Il faut que je me bouge. Eh bah, bouge-toi. Fais-toi tes meilleurs toasts. Mais c'est trop bien. Moi, j'aimerais trop qu'il y ait une animation comme ça. Genre dans l'Yandere actuel, genre c'est trop stylé. Sans retard. Allez, cours Ayano avec ta tête là. Bon, bah, pour l'instant, mon premier avis, c'est que franchement pour 2014, c'est vraiment pas mal du tout. Yandere Dev a déjà fait un super taf à l'époque. J'ai pas eu le temps de lire. Regarde, rien que ça, rien que cette animation là. C'est pas trop stylé, sérieux? Avec le senpai et tout. Oh là 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 là. Hop, ça tombe par terre comme de caca. Le toast qui tombe à terre. Mais au moins, on va avoir notre première rencontre et peut-être notre premier contact avec Senpai. Ouch, ouch, that's hurt. Oh, je suis désolé. Je ne regardais pas où j'allais. Tu vois un coup de main. Et le fameux Senpai. C'est à ce moment-là qu'Ayano comprit réellement l'importance qu'avait Senpai dans son cœur. Putain, je suis vachement éclairé quand il y a des scènes un peu éclairées comme ça. Genre, je suis vachement blanc. Gros, bientôt, je vais être Caspar le fantôme, on ne verra plus. No way, this is the person I saw in my dream last night. Donc, c'est pas possible, c'est la personne qui était dans mes rêves la nuit précédente. Ça ne peut pas être une coïncidence, c'est ma destinée. C'est en gros, tu vas bien? Oh, oui, I'm fine. Donc, oui, je vais bien. Et là, hop là, ça donne sa petite main, t'aimes sa tête. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Maintenant, j'en suis certaine. C'est vraiment l'amour de ma vie, un truc comme ça. Ok, bon, ça on connaît de façon, hein. C'est juste que c'est dit différemment et ça se passe différemment vu que c'est une version de 2014. I'm glad you're okay, I was worried. Je suis content que tu sois ok, tu ailles bien en gros. Are you so considerate? Qu'est-ce que ça veut dire ça? I better go now, I'm late. Donc je suis en retard, il faut que je parte. Oh, that's right, j'ai oublié à propos de l'école. On se revoit plus tard. On se revoit plus tard. J'ai finalement rencontré la personne avec qui j'ai envie de rester le restant de mes jours. Donc il est temps de commencer une romance, je sais pas quoi. En gros, ma vie excitante d'école va commencer, un truc comme ça. Donc en gros, pour elle, l'école va réellement pouvoir commencer maintenant qu'il y a Senpai. What took you so long? Tiens, c'est qui parle? C'est censé normalement être Osana, je pense. Mais à l'époque, c'était Rival-chan. Who the hell is she? Donc qui est-elle? Is you already keep me waiting? Donc tu m'as fait attendre. Voilà, on connaît, hein, c'est la fameuse discussion, je pense. Où elle dit, ouais, t'es toujours en retard, je suis désolé. No way, une amie d'enfance. Don't get the wrong idea. It's not like, c'est trop marrant, mais c'est tout, mais genre à l'ancienne, c'est incroyable. Voilà, marcher à l'école avec toi, blablabla. Vous connaissez un petit peu, hein, tout ça, les dialogues de Sana. Ça fait des années qu'on l'attend en Sana, clairement, on sait tout d'elle. Je suis désolé. Une tsundere. Et let's go, on y va, il faut aller à l'école. And try to keep up. Et essaye de te réveiller, je suis désolé. Et voilà, hop, elle passe clairement, pas du rire aux larmes, mais plutôt du bonheur, de la joie. Ah, je fais tomber une putain de bouteille d'Ice Tea. C'est pas grave, donc elle est déçue. Et c'est clairement à ce moment-là que le vice va se réveiller. Très clairement. There's no time to worry about it now. I need to score right away. Vas-y, va à l'école, bouge-toi un petit peu. Et hop, ça tape son meilleur sprint pour aller à l'école. Et ici, on rencontre, c'est bien qu'on rencontre déjà les petits personnages, tout ça. On rencontre la fameuse Info-chan. So history is repeating itself here. Time to test the theory. Donc il est temps de tester la théorie. I could only concentrate during the entrance ceremony. Il parle de cérémonie, professeur, blablabla. They're walking up the stairs to the classroom. Monter les escaliers pour aller à la classe au troisième étage. Est-ce qu'elle parlerait pas, genre, est-ce qu'il est dans la même classe qu'elle, etc. Elle parle de la blonde bimbo. Un message, rencontre-moi, classroom 3-3, I have something important, plutôt que j'ai quelque chose d'important à te dire. What a ominous message, donc un message inconnu, ça parle trop vite, ça passe tout seul en fait, hein, si jamais vous posez la question. Donc let's go, on va aller rencontrer la petite Info-chan qui va nous donner des informations. Donc c'est vraiment sombre ici, bonjour, il y a quelqu'un? I'm glad you came, c'est quoi, genre je savais que t'allais venir, je suis content que tu sois là. Ok, clairement... Quand tu vois ce genre de visage, t'as pas trop envie de faire confiance à la personne. Tu sais que tu vas t'embarquer dans un bail sombre. I don't recognize you. Ça passe trop vite, les gars. Et oh, et moi je suis belge avec un niveau d'anglais qui pue la mort. Comment voulez-vous que j'arrive à traduire si en plus de ça vous passez tout seul? Tes secrets sombres. Let's see you prove it. Laisse-moi prouver. Dis-moi un secret, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, je t'ai vu courir avec le toast à la bouche. Yandere-chan. Comment est-ce que c'est possible que tu sais ça? Like I said. Va savoir, je connais connaître des secrets et ma spécialité. Je compte devenir journaliste un jour, j'ai pas eu le temps de lire la suite. C'est vraiment cool, mais c'est vraiment très flippant. Encore une fois, ça passe. Avec tout chien, son information, that might interest you. Je peux partager des informations qui pourraient t'intéresser. La fille que t'as vu parler avec Senpai, sûrement. And you may begin to suspect.
And you may have begun. C'est pas possible. C'est impossible. Les amis, si vous arrivez à genre, si vous avez vraiment un sale niveau d'anglais, faites-nous un petit résumé. Et limite, genre, je mettrai un gros love sur le commentaire pour que ce soit vu par un maximum d'abonnés. Mais là, allez, je ne touche rien. Ça passe tout seul en fait. Donc, tu es sérieuse, c'est vraiment mauvais. Ça passe super vite. Je suis le président du Newspaper Club. I produce and distribute the school newspaper. Donc, elle distribue les journaux, etc. À l'école, je crois un bail comme ça. Salut, most nobody but always to read my newspaper last year. Elle part de l'année passée. Je suis vraiment désolé. To hear that, d'entendre ça. Be able to write interesting articles, donc des articles, écrire des articles intéressants, plus d'articles intéressants. Want BSN to see your senpai, elle veut te voler ton senpai. Donc celle-là, en gros, hein, vous connaissez l'histoire, où elle va pousser, entre guillemets, Ayano à faire des actes très sombres pour pouvoir se procurer, enfin c'est pas vraiment un objet, mais pour pouvoir choper son senpai et écarter la concurrence. Donc voilà, comme j'arrive pas à traduire parce que c'est trop rapide, je fais juste un résumé vite fait. Dian panique à l'idée de savoir qu'il y aurait un serial killer. The more you can stir up, the more people return to my newspaper for answers. Donc en fait, elle fait ça très clairement pour pouvoir booster, entre guillemets, les journaux, ses articles, pour pouvoir un jour devenir une grande journaliste. Donc, elle fait clairement un travail psychologique là sur Ayano, hein, tu vois. Elle va bénéficier de tout ce qui va se passer à l'école, des meurtres, etc. Donc les deux sont aussi tarés les unes que les autres. Don't understand, tu ne comprends pas. Assume c'est mon senpai. J'ai vu senpai dans mon rêve. Ah là là, c'est trop compliqué la vérité. Then you have the problem killing Osana, right? Donc elle parle de tuer Osana. Moi, c'est pour you every step of the way. Take a picture of student face and send it to me. Donc envoie-moi une photo des étudiants et envoie-les-moi. Je dirai tout sur eux, un bail comme ça. Donc elle parle de paiement, un t-shirt. Et en gros, elle vient de la payer. C'est tout simplement les culottes, les photos de culottes. Vous connaissez les bails. Hein. Elle parle de photographie, des culottes, machin. Que c'est ce qui marche le mieux ou ce qu'elle préfère, je crois, un truc comme ça. Don't to take pictures, I'm so you cool. Après, je pourrais prendre des photos, je suis sûr que tu peux. What's that supposed to mean? Never mind that. Finalement, elle répond donc, considère ma proposition. Donne-moi une réponse avant le week-end. Tu as 5 jours en gros pour tuer Osana. Pars maintenant, j'ai des articles à écrire, on se revoit plus tard. Senpai. Bon voilà, les traductions sont dégueulasses. Donner le quart de la trad. Mais en même temps, voilà, je pouvais clairement pas prendre mon temps, ça passait tout seul. Et donc nous avons accès, Sandbox je crois c'est ça. Certainement un endroit où on peut tester des choses. Donc on a le fameux couteau et tu peux commencer à tuer des gens. Donc il y avait déjà le sang, il y avait déjà la réaction de l'élève qui voit clairement qu'il s'est passé un truc. Par contre la grosse tête d'Ayano là en haut à gauche, il y a plus ça maintenant. On peut déjà aussi également avoir ça, hein. Là on pouvait mettre le corps. On va d'ailleurs essayer de prendre un corps ici. On va le choper. Ah, ouh, what the fuck. Ok, en fait, je l'ai démembré. Très bien, je n'avais pas de scie circulaire, mais je l'ai démembré quand même. Hop, oui, je peux mettre ça. Ensuite, tu refermes. Non, attends, j'ai dit, tu peux mettre ça. Ensuite, tu refermes. Et là, tu peux tout simplement, hop, t'équiper. Me tuer à guitare que vous connaissez. On peut également changer de vêtements. Senpai, encore ici. On a ici le fameux incinérateur, je pense, de l'époque. Aussi ici, la hache. Ah non, c'est pas hache, ça c'est le marteau. Très bien. Alors la sensibilité est un petit peu chelou. Attaquer comme ça, ok. On a testé le marteau. Maintenant, j'ai envie de tester des trucs qu'on n'a jamais testé dans Yandere Simulator, c'est-à-dire la petite hache ici. Voir l'animation un petit peu, est-ce que c'est la même? Ok, on lui plante un coup de hache dans la gorge. Ciseaux, on connaît. La fameuse seringue, la batte de baseball qui est quand même vraiment différente par rapport à avant. Hop, on va tester, elle est bien sympa comme ça en violet. On met un coup de batte de baseball. Bon là on la plante carrément, et c'est quoi cette tête en haut à gauche là? Est-ce que l'incinérateur est déjà, comment dire, est déjà opérationnel? Je ne pense pas, là on peut la transporter. Ah si, on peut mettre dans l'incinérateur. Et c'est comme à la bonne vieille époque, où en gros tu balançais genre la John Cena, les élèves dans l'incinérateur. Je kiffais trop cette animation. Tu as le fameux balai où tu peux essuyer le sang. Bien évidemment, l'animation est un peu chaud, les pouvoirs magiques, c'est une Jedi, il y en a un petit peu, ensuite le laver, le balai. Ok, donc ça c'est pas mal du tout, il y avait déjà pas mal de choses à tester ici quand tu découvrais le jeu pour la première fois. Et on en parle des cheveux là qui retombent, c'est affreux, oh, pas mieux comme ça. Waouh, par contre, ouais, une école comme ça, non j'en ai jamais vu sur Yandere. On voit vraiment que c'est un Yandere de 2014, mais on pouvait déjà rentrer dans une classe et on pouvait déjà apprendre des cours, c'est excellent. Alors c'est très sommaire hein, par rapport à maintenant, mais les élèves on voit que c'est juste le même skin mais avec des couleurs différentes par rapport aux cheveux, mais on pouvait déjà étudier, c'est excellent. Donc on avait l'horloge, on avait le temps du coup. On avait des objectifs, donc retourne à la classe à 1h30, ça c'est pas mal hein, qu'il y ait des objectifs parce que pour l'instant il n'y en a pas. Tu peux te balader de classe en classe, mais bon au final quand t'as vu une classe, t'as vu clairement toutes les autres classes de la map, c'est pareil. J'avais déjà des escaliers mais oula c'est très très bugué. Là c'est full bugué mec, c'est full bugué. Bah voilà, je viens déjà de me bugger. On va essayer de voir ce qu'il y a aux alentours. Moi je voulais juste voir le toit, c'était la dernière chose que je voulais voir en fait pour clôturer cette vidéo, parce que le reste bah il y a, ok il y a rien. Donc je vais juste essayer d'atteindre le toit et voir à quoi ressemble le toit de l'époque, s'il y avait déjà un élément au-dessus, peut-être une arme que je voulais voir. On va d'ailleurs emprunter les escaliers qui sont extrêmement buggés, mais ça passe quand même. Ici, au niveau des autres étages, c'est pareil. Il y a juste des vieilles classes. Ouais, ça, c'est le toit. Alors, bah, le toit, il est extrêmement
basique, il n'y a rien du tout. Il n'y a clairement rien sur le toit, il n'y a pas d'armes. Voilà, c'est pour ça qu'il avait mis en place les sunbox pour commencer à tester déjà les manières de tuer les élèves, tester quelques armes. Donc, on va s'arrêter là pour cette découverte du prototype de 2014. Je dois vous dire que je suis très surpris, je suis assez choqué de voir à quel point il y avait déjà des choses sur le jeu, à quel point l'animation du début était déjà travaillée. Surtout, ça me fait extrêmement plaisir pour moi qui suis un ancien Yandere Simulator d'avoir pu couvrir cette version. Genre, c'est assez ouf de se dire qu'on était sur un Yandere Simulator de 2014. C'est là qu'on voit toute l'évolution qu'il y a eu et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'évolution. Mais normalement, oui, on attend clairement la première rivale pour voir le début du vrai jeu Yandere Simulator. Donc j'espère que vous avez kiffé découvrir ce Yandere Simulator de 2014 avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit pouce bleu. Vous savez que ça aide énormément la chaîne, donc pensez à le faire. Mettez-moi un petit peu dans les commentaires que vous en avez pensé de cette version. Est-ce que vous trouvez que le changement est assez fou ou pas? Et sinon, mis à part ça, abonnez-vous à la chaîne ici si ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire juste ici, ou checkez même carrément deux de mes autres vidéos juste ici. C'est votre Free comme d'habitude, je vous les présente, vous portez-vous bien. Bye bye tout le monde.